Dans l'histoire du football, il y a ceux qui ont laissé leur empreinte par un geste unique, d'autres par leur formidable carrière individuelle, et même certains pour l'immense patrimoine qu'ils laissent derrière eux. Et puis il y a ceux qui ont choisi de faire les trois à la fois, et parmi eux, on retrouve Hendrik Johannes Cruyff, dit Johan Cruyff. Un attaquant génial dont le style de jeu moderne et la façon d'aborder le football ont révolutionné à jamais la manière de voir notre sport. Créateur de génie, charismatique au possible et légende vivante de l'Ajax et du FC Barcelone, le prince d'Amsterdam n'est autre que le footballeur européen le plus influent de l'histoire, multiple ballon d'or et vainqueur de Coupe d'Europe en tant que joueur puis entraîneur. Son talent était prodigieux, son intelligence déroutante, son héritage aujourd'hui sans limite. Voici le conte du phénomène mondial Johan Cruyff. Le petit enfant que vous voyez jouer avec le ballon ici s'appelle Johan. Il habite à quelques centaines de mètres du stade de l'Ajax et intègre les équipes juniors du club dès son plus jeune âge. À même pas 17 ans, il débute avec l'équipe première contre Groningen et inscrit son premier but, déjà très à l'aise avec le cuir qu'il commence à taper régulièrement. La saison suivante, le petit génie s'impose et collectionne les buts, en plantant à 25 reprises sur les 23 journées de championnat qu'il dispute. Intelligent sur le terrain, créatif, imaginatif, mais surtout doté d'une capacité d'accélération et d'un sens du jeu déjà peu commun, Cruyff ne cesse d'impressionner et fait parler de lui en enchaînant les saisons à plus ou moins de 35-40 buts. En 1966, il bluffe tout le monde en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives lors d'un match de Coupe d'Europe contre Liverpool. Sa fausse nonchalance cache en réalité un joueur très appliqué, capable d'évoluer en numéro 10, sur l'aile ou même en pointe, sans que cela n'impacte réellement son niveau de jeu. Trois ans plus tard, l'Ajax d'Amsterdam épate l'Europe et atteint la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, prenant un style de jeu très offensif et spectaculaire, impliquant chacun des joueurs de l'équipe, en commençant par le gardien jusqu'aux attaquants. Malgré une défaite relativement sévère contre le Milan en finale, avec un score de 4-1 pour les Lombards, les joueurs de l'Ajax viennent tout simplement d'inventer ce que l'on appellera le football total, une révolution menée par l'illustre Rinus Michels, le coach de l'Ajax de l'époque. Les principes sont simples, pression très haute et tout terrain, poste totalement interchangeable, vitesse de contre et maîtrise de la balle par la possession, Cruyff ne cessait de le répéter. Si tu as la balle, l'équipe adverse ne peut pas marquer. Un schéma de jeu compliqué que le joueur prenait un malin plaisir à expliquer dans ses années d'entraîneur. Mais ça, bon, on le verra un peu plus tard. Cette stratégie nouvelle va porter l'Ajax sur le toit de l'Europe au début des années 70, menée d'une main de maître par un Johan Cruyff qui domine le football mondial et vient au passage de récupérer son fameux numéro 14. En 71, le club remporte sa première Coupe d'Europe des clubs champions au détriment du Panathinaikos. Une première pour l'Ajax et la consécration pour une équipe qui n'en finit plus d'épater. Oui, parce que l'année suivante, malgré le départ de Michels, on reprend les mêmes et on recommence, avec un doublé de Cruyff en finale contre le Milan, et une deuxième Coupe d'Europe consécutive ramenée du côté des Pays-Bas. Si l'aboutissement est bien collectif, les récompenses individuelles de Cruyff commencent à pleuvoir, lui qui vient de remporter 6 mois plus tôt son premier ballon d'or, et s'en va tout droit remporter le prochain. De nouveau inarrêtable sur la scène européenne, Amsterdam va pour la troisième fois consécutive glaner la plus prestigieuse des compétitions du vieux continent, en venant à bout de la Juventus en finale. Bien trop fort, leader incontestable de son équipe qui domine son championnat et l'Europe entière, le Hollandais volant s'envole pour la Catalogne, où il y rejoint notamment son ancien coach. Il prévient cependant tout le monde dès son arrivée. « Je ne promets pas de titre, mais du spectacle. J'ai l'intention de marquer une époque exceptionnelle dans ce club. » Une façon bien à lui d'annoncer la couleur et de redonner vie à une équipe qui ne fait pas rêver grand monde à l'époque. Face à une pression populaire énorme, celui que l'on surnomme El Salvador, le sauveur en catalan, va relancer tout un club et faire du Barça une machine qui ne perd plus. C'est bien simple, quand Cruyff joue, le Barça ne perd pas et gagne même 17 matchs d'affilée, avec en point d'orgue une victoire 5-0 à Santiago Bernabéu face à l'ogre madrilène en février 74. Une confrontation aux allures politiques entre le Real réputé franquiste et le FC Barcelone représentant l'opposition catalane. Au passage, Cruyff entre déjà dans la légende en devenant le premier joueur à conquérir trois fois le Ballon d'Or, après avoir remporté celui de 73, imité plus tard par Michel Platini, Marco Van Basten, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L'été suivant, Johan Cruyff et les Pays-Bas arrivent en position de force à la Coupe du Monde 74 et vont littéralement rouler sur leurs adversaires. L'Uruguay, la Bulgarie, l'Allemagne de l'Est et l'Argentine, tout le monde passe à la machine à laver. Aucun ne résiste face au compresseur hollandais et la planète foot commence à saliver d'un petit Pays-Bas-Brésil pour une place en finale. A la surprise générale, l'opposition entre le football total prôné par Cruyff et le fameux Roca Bonito brésilien va finalement donner lieu à l'un des matchs les plus intenses et les plus violents de l'histoire. Après 90 minutes de tacles et d'interventions décisives plus que limites, les Pays-Bas s'en sortent grâce à une passe décisive et un doublé de Cruyff.
Direction la finale contre l'Allemagne de l'Est de Franz Beckenbauer et de Gerd Müller, qui sortent d'un deuxième tour sans aucune défaite. Alors que les Allemands n'ont pas encore touché le ballon, Cruyff, encore lui, transperce la défense et provoque un penalty, qui sera transformé par Niskens. L'Allemagne reviendra finalement au score, une nouvelle fois sur penalty, et prendra l'avantage après un but de Müller en seconde mi-temps. Quasi inexistant sur l'ensemble de la rencontre, les Néerlandais laissent passer l'occasion d'inscrire leur nom sur la liste des vainqueurs, malgré une génération dorée et un Cruyff ni plus ni moins au sommet de son art. De retour au Barça, les Blaugrana peinent à capitaliser sur leurs joyaux et ne gagnent rien jusqu'à la Coupe du Roi en 78, qui marquera d'ailleurs la fin de Cruyff en Catalogne en tant que joueur. Un palmarès bien maigre qui cache un joueur idolâtré par les socios, pour son amour du maillot bleu et rouge et toute la passion qu'il dégageait pour la Catalogne. Son fils, Jordi, porte un nom purement catalan interdit à l'époque par l'État franquiste, un geste fort qui lui a valu une reconnaissance éternelle des Barcelonais et un culte Johan Cruyff qui n'en est en fait qu'à ses débuts. Alors que la Coupe du Monde 78 en Argentine est dans quelques mois, Cruyff annonce qu'il n'y participera pas, malgré l'intervention en personne de la reine des Pays-Bas, un choix que beaucoup voyaient à l'époque comme une forme de résistance face à la dictature de Jorge Videla, à la tête de l'État argentin. Sauf que 30 ans plus tard, en 2008, il se livre et justifie son absence par une tentative d'enlèvement juste avant la compétition, qui l'aurait profondément bouleversé. Après cet épisode et à un peu plus de 30 ans, il part aux États-Unis pour échapper au fisc espagnol et rejoint Los Angeles avec lequel il est très vite élu meilleur joueur du championnat 79. Il revient alors en Europe du côté de Lievente, puis remet les pieds à Amsterdam, où il évolue à un niveau encore plus que correct. Il marque dès son retour à l'Ajax et s'en va remporter le championnat, mais le club décide contre toute attente de ne pas le prolonger, ce qui poussera Cruyff à rejoindre le Feyenoord Rotterdam, avec lequel il brillera pour son ultime saison et marquera pour son dernier match, un clin d'œil subtil à l'histoire, lui qui avait inscrit un but dès ses débuts avec l'Ajax. Ses réflexions sur le football et son intelligence hors du commun le poussent à poursuivre sa carrière sur le banc, en se lançant dès 1985 avec Amsterdam. Si son passage n'est que provisoire, son retour à Barcelone en 88 est attendu avec impatience par les fanatiques Blaugrana, avec qui il restait ce petit goût d'inachevé lorsqu'il était joueur. Arrivé là-bas, il remet en place son jeu basé sur la vitesse d'exécution, le mouvement du ballon et l'engagement total de ses joueurs, faisant du gardien le premier attaquant et l'attaquant le premier défenseur. Son impact sur la façon de voir le football et d'appréhender le spectacle détonne, et fait de Barcelone une machine en Espagne et un concurrent plus que sérieux en Coupe d'Europe. Stoïkov, Guardiola, Laudrup et Coman forment la Dream Team qui va remporter la Ligue des Champions 92, mais échouera en finale de l'édition 94. Lors d'une interview, Pep Guardiola trouvera d'ailleurs les mots justes en plaçant tout simplement Cruyff au centre de ce que représente Barcelone dans le monde aujourd'hui, de son centre de formation La Masia au plus grand joueur du club. Johan es la persona más influyente en el fútbol europeo de los últimos 40-50 años. No hay ningún personaje que haya dado tanto al fútbol como jugador y entrenador a la vez. Ha instaurado una forma de jugar en dos impresionantes clubes como el Ajax de Ámsterdam y el FC Barcelona. ¿Podemos entender que el Barcelona jugara como juega ahora sin Cruyff? Imposible. Johan cambió la mentalidad del FC Barcelona. El Barcelona actual, que en los últimos 10-15 años ha dominado Europa y ha dominado el mundo, no se podría entender sin su llegada. Il quittera la Catalogne en 96 et occupera des postes honorifiques à l'Ajax, à Barcelone et avec la Fédération néerlandaise avec laquelle il soutiendra le projet néerlandais et belge pour la Coupe du Monde 2018. En marge de cela, il lance dès 1997 la Fondation Cruyff, une association permettant chaque jour à des enfants handicapés de pratiquer un sport grâce à la formation d'entraîneurs spécialisés. Enclin à des problèmes de santé récurrents, causés notamment par une consommation massive de tabac, et ce même quand il était joueur, Hendrik Johannes Cruyff nous a quittés le 24 mars 2016 à Barcelone, entraînant des hommages très forts en Catalogne et partout aux Pays-Bas. Un stade en son nom, un mémorial, une statue devant le Camp Nou, et même un nom d'avenue dans la capitale catalane, rien n'est trop beau ni trop grand pour ne pas oublier celui qui a construit lui-même ce que représente le FC Barcelone aujourd'hui. Récemment, l'Ajax a de son côté annoncé que son stade, l'Amsterdam Arena, prendrait le nom de Johan Cruyff Arena dès la saison 2018-2019. Voilà, il est temps de conclure ce conte de foot sur Johan Cruyff, celui que les Barcelonais surnommaient affectueusement El Flaco, le maigre, qui pendant une vingtaine d'années a mystifié tout type de défense en imposant un style, son style, un schéma tactique aussi bien défensif qu'offensif, qui a fait de l'Ajax un rouleau compresseur qui a marché sur l'Europe durant quelques années. Le football total avait des principes, mais il avait surtout un visage, celui d'un gamin d'une vingtaine d'années au physique trompeur, doté d'un QI football hallucinant, d'une rapidité d'exécution et d'une lecture du jeu hors du commun qui lui ont permis de survoler les débats et de s'imposer comme le meilleur joueur européen de l'histoire. Du haut de ses 3 ballons d'or, ses 3 coupes d'Europe, ses 400 buts, ses 700 matchs, du haut de son aura,
de son talent, de sa créativité et de sa rigueur. Seule une Coupe du Monde ou un Euro manque à l'appel, même si Maradona considère encore l'équipe des Pays-Bas 74 comme la meilleure équipe de tous les temps. Le personnage de Cruyff était et restera mystérieux. Du jeune rebelle luttant contre la dictature franquiste au jeune libéral décomplexé face à l'argent, en passant par l'image de rockstar et d'icône générationnelle, les étiquettes collées au prince d'Amsterdam sont nombreuses et ne font qu'alimenter sa légende. Et puis il y a ce geste, le Cruyff Turn, ce basculement de la droite vers la gauche en faisant passer le ballon derrière la jambe d'appui, si bien exécuté par le néerlandais et tant de fois imité depuis. Johan Cruyff est le père spirituel du football espagnol qui a dominé le monde de 2008 à 2012, la source d'inspiration du Grand Barça, une légende éternelle à Amsterdam, mais restera surtout comme le pionnier du football spectacle à l'instar du style plutôt fermé prôné à l'époque par les clubs italiens. Sa double casquette de joueur puis d'entraîneur en ont fait un modèle d'excellence qui ont inspiré les plus grands et révolutionné à jamais la façon de voir le football. Le talent de Johan Cruyff, le Hollandais volant, El Flaco, le prince d'Amsterdam ou le sauveur n'avaient pas vraiment limite. Sa vision du jeu et son charisme très énigmatique en font un homme idolâtré en Catalogne, apprécié par tous, que personne, mais alors personne, ne pourra jamais vraiment oublier.